Parli un'antecchia di siciliano? O capo, durissimo piano. Spalpa italiano. Perfetto. A posto. Hai capito, o piano? Le posso mi spieghi. Ok, per favore capisci. Trasemo in tuo giardino intorcioniato senza farci sentire né vedere. A casciaforti sta a ritmo qua giù, no primo piano. Tu rammi un'anticchia di tempo e lascia fare tutto a mia. Chi da casciaforte ci avrà sicuramente un allarme. Ok, vai. La nuit va être très longue pour nous deux, je crois. Minchia. Bon, à mon tour. Fais ce que je fais et reste discret. C'est... Faut pas qu'on te coffre. Forte, c'est... Faccio... Io. Rabrire cacciaforte. Aprire cassaforte. Putain. Bon. La radio? On va écouter la radio. Perfetto. Il y a une sacrée vue d'ici. A volte sto paese è meraviglioso. Ecco, ce la siamo gioco. Passato o muro o giardino qua te faccio vedere. Oh, un labyrinthe. Sì, un giardino intorcioniato. Reste ici pendant que je m'occupe des gardes. Non lo sapevo, in America c'hanno i giardini. J'aurais bien pris ma soirée, moi.
Ah, j'aurais bien pris ma soirée, moi. Belle soirée pour glander à domicile. On est pas... Je crois qu'on est tranquille. Salvatore, t'es où? Ok, c'est bon. Tommy! Mais où est-ce qu'il s'est barré? Casogno, Tommy! Casse les couilles. Money, vieni con me. Tommy, io qui. Sei uno tosto tu, eh? Qua? Ehi, si chiasa qua. Ah, cavolo! Tu sais vraiment crocheter des serrures? Cerca. Non. Non guaccio! Hein? A quoi? Non guaccio. Da Vinci, Caravaggio. O capisci? Un tableau? Tu dis que c'est derrière un tableau? Si, si. Ok. J'ai compris. Che tonno. On va regarder dans une autre pièce alors. Quoi, Tommy? Et que le mur derrière. Regardez dans une autre pièce alors. Il y en a un autre, Salvatore.
sûr que c'est derrière ça, Salvatore. C'est agréable. Bravo. Oh, oh. C'est beau, ça. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Merde. Mène-toi, Salvatore. Pacienza, pacienza. Bien joué. Excusez-moi. Ancora? T'avais arrêté l'alarme, hein? Mince, comment ça m'a foutu? On s'en fout, allez bien, faut partir d'ici. Va, dietro, dietro. Ils doivent être au-dessus. Salvatore, bouge pas! Je vais me charger d'eux. Chopez-le! Mets à couvert! Il y a des coups de feu, à vous! Vous avez l'autorisation de la base. Ah, ça y est, j'ai pigé tout de suite. Arrivé, la tête homme. Allah, ça j'ai mis le disperre. Je suis d'accord. Je sais pas ce que tu dis, mais je suis d'accord. Allez-y. Sbirri, rentra sto paese! Sogno davvero rognoso! Grazie, signor Uzzo. Salvatore, où tu veux que je t'amène? À casa? Ouais. C'est où, maison? Sesta et Maple. D'accord, c'est parti.
No, dai a dire una cosa. O nostro prossimo travaglio ci penso io a casciaforte, o capisti? Capi picca un ci morì in Taggiavilla. E ci colpi solo tu. E impara un'antichia di siciliano. Per rispetto alla nostra terra. È come parlare un meccanico. Usaccio. Ma minchia, te la vi a dire. Un l'affare mai più, eh? Mai più. D'accord. Si tu veux. Buonanotte. Salut. C'est la dernière caisse de Niall, boss. Je sais, il y a certaines de ces bouteilles que je gardais depuis 10 ans. Mais on a besoin de fric. Sortez-moi tout ça. Allez, chargez tout ça. Content de vous voir, les gars. Boss, vous avez eu des échos de notre boulot avec Salvatore ? C'était du bon boulot, Tom. Guilotti a plus rien sur nous. On a gagné un peu de temps. Du moins, tant qu'il reste du fric. Il faut pas vendre la ferme tout de suite, boss. Sam m'a dit que t'avais quelque chose ? Ouais. Vous allez adorer. Il y a beaucoup de fric à se faire et on peut se payer Morello au passage. Très bien, je t'écoute. Il y a quelques semaines, j'étais en train de me reposer avec un bon cigare au Blue Tropics. Où ça ? C'est une espèce de bordel minable. Il y a rien à part quelques niches avec des puciers et même le sol. C'est un club pour gentlemen. Il y a même un bar et tout. Enfin bref, un des clients est complètement pété. Il chiale et vide son sac à une poule. Il a un drôle d'accent bizarre, alors je tends l'oreille. Le gars, il parle, il arrête pas de jacter, comme quoi il vient de faire une affaire énorme. Mais les gars pour qui il bosse essaient de l'arnaquer. Et son pif éclaté sur sa binette en témoigne. T'as payé sa note ? Tu te fous de moi ? Non, ce que j'ai fait, c'est qu'on est sortis. Et que je l'ai emmené manger un morceau au resto du coin pour éponger. Là, on commence à parler. Et il m'apprend qu'il s'appelle Gates. Et qu'il vient tout droit du Kentucky. Un contrebandier ? Non. Mieux que ça. Son père possède d'authentiques distilleries. Et vous devinerez jamais qui est son acheteur exclusif pour toute sa gnole. Morello. Et selon toi, il serait prêt à le lâcher. Ah ouais. Je l'ai travaillé comme il faut, boss. Il apporte une nouvelle livraison ce soir. Mais lui et toute son équipe sont partants pour virer de bord. Tout ce qu'il faut faire, c'est que ça ait l'air d'un vrai braquage. Je sais pas trop. Tu lui fais confiance à ce gars ? Il est pas tendre avec Morello, ça je te le garantis. Et puis c'est pas comme si on avait vraiment le choix. Regardez, on est déjà en train de racler les fonds de tiroir. T'en penses quoi, Tom ? Il faut qu'on remplace le Canadien. Si Polly dit que ce Gates fait l'affaire, je suis partant. Et la livraison ? Le grand parking du garage dans le centre. Ok, allez-y. Mais cette fois, on fait pas les choses à moitié. Tu prends Carlo et Little Bill avec toi. Pas de problème, boss. Dès que vous avez le camion, vous le rapportez ici. On vous décevra pas, boss. Je te libère du temps pour que tu sortes avec les gars, Carlo. Me le fais pas regretter. Je vais me tenir, boss, vous bilez pas. Je me bile pas. Tommy s'en charge pour moi. Votre chauffeur risque rien avec moi. Bonne chance, les gars. Sam et Little Bill ont dit de les retrouver dans le centre.